N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne rien rater dans les prochains épisodes. Vous cachez vos habits chez vos camarades, ou bien vous achetez, vous laissez chez une camarade là-bas. Vous aviez normalement devant nous les parents. Arrivé dehors, vous vous transformez comme des zombies. C'est méchant. C'est méchant. Tapotez le live, la partager. C'est méchant. Parce qu'aujourd'hui, là, on cherche à accuser Atamia. On cherche à accuser. Il s'appelle comment même? Lui, qui, le gars qui tape les enfants. On cherche à accuser ici, on cherche à accuser ici. Mais est-ce que si nos enfants me prenaient la peine d'écouter les conseils de leurs parents, est-ce qu'ils allaient tomber dedans? Si nos enfants n'écoutaient pas les gens du dehors, nos enfants ne se laissaient pas influencer par le dehors. Qui disait que mon papa m'a dit ça avant de sortir. Mais ma maman m'a dit ça avant de sortir. Donc ce qu'on me dit, Dieu, je ne dois pas écouter. Est-ce qu'on allait entendre qu'une jeune fille de son âge a laissé son corps décomposer quelque part? On n'allait pas entendre ça. On n'allait pas entendre. Mais aujourd'hui, là, nos enfants, là, ils prennent au moins 150 conseils. Ils sont conseillés par les parents, ils sont conseillés par les amis, ils sont conseillés par n'importe qui. Et ils ne considèrent pas les conseils de leurs propres parents. À cause de quoi? Être envieux. Je le dis, oh, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as honte de ta maman qui a fait 9 mois, qui t'a poussé. Tu as honte d'elle. Parce qu'elle a sa seule marinière qu'elle va porter pour t'accompagner à l'école. Tu as honte d'elle. Tu as honte de ta maman qui t'a poussé, qui a crié, Jésus, libère-moi. Qui t'a poussé, qui a versé son sang sur toi, tu as honte d'elle. Parce qu'elle a une seule tenue qu'elle porte pour sortir. C'est méchant. C'est méchant. Ton papa est charpentier. Il est menuisier, il est vendeur de charbon. C'est là qu'il enlève pour acheter tes études. C'est là qu'il enlève pour te donner à manger. Tu dois être fier. Oui, oui, oui. Tu dois être fier de tes parents. Et c'est comme ça que Dieu va te grandir. Mais quand tu es indigne, quand tu es envieux, quand tu es lâche, c'est là que tu as honte de tes parents. Aujourd'hui, là, moi, je vous parle au roi. Parce que quand j'ai réfléchi, je dis, on va pas chose rester là accuser les gens pour nos enfants. Mais si nos enfants prenaient la peine d'écouter nos conseils, s'ils prenaient la peine d'écouter les conseils que les parents leur donnent à 5h du matin, je pense que cela ne l'allait jamais arriver. Parce que je ne vois pas un parent qui a dit à son enfant, va faire bocléa pour me donner à manger. Je ne vois pas un parent qui a dit à son enfant de 14 ans, 17 ans, pour dire, va donner ton derrière, tu vas me donner à manger. Je ne vois pas. C'est nous-mêmes les parents, on se sacrifie. Nous-mêmes, on se sacrifie pour donner à manger à nos enfants, oui. Un parent peut aller voler même pour donner à manger à son enfant. Mais un parent ne peut jamais dire à son enfant, va voler pour donner à manger. Je lui dis, ouah, parce que je suis passé par les moments difficiles. Je connais ce qu'on appelle difficulté. Vous n'avez pas aujourd'hui, c'est quelle difficulté vous vivez? C'est quoi vous vivez comme difficulté? Puis on ne respire pas. Et puis vous donnez à à un moment donné là, parlons à nous-mêmes nos enfants. Ne restons pas là accusés. Parce qu'à ce que je sache là, hein, ce sont nos enfants qui prennent leurs deux pieds pour marcher pour aller dans ces résidences meublées là. On ne les attache pas. On ne bande pas leur visage. On ne les enlève pas. Oui, oui. Parce qu'un enfant, s'il s'assoit, qui dit ma maman m'avait dit ça là. Mon papa m'a dit ça là, c'est pas bon. Je jure que même si ses amis lui parlent, il va dire non. Moi, ma maman m'avait dit que ça, c'est pas bon. Mon papa m'a dit ça là, c'est très dangereux. Mais nos enfants, quand on finit de leur parler là, c'est le vent qui a pris. C'est le vent qui a pris. Et puis ils sortent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Souvent, ils commandent des habits en ligne. C'est chez leurs camarades. Ils vont porter robe. Fermé devant toi, arrivé au théo là-bas. Si on te dit que c'est ton enfant qui s'est transformé, comment tu ne peux pas croire? Tu ne peux pas croire? Si on t'envoie une photo de ton enfant qui est sorti à un robe soutane, et puis on t'envoie sa photo de dehors,
Tu as dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, devant sa maman et son papa, elle est sortie en robe. Mais arrivée au théo là, elle est en jupe mini. Parce qu'on a dit, on n'a qu'à fouiller dans leur sac maintenant là. Elle laisse ça chez leurs camarades là-bas maintenant. Elle commande en ligne et puis c'est déposé là-bas. C'est là-bas, elle se change. Arrivé un moment donné là, accusons nos enfants là-même aussi. Parlons-leur aussi. Parce que s'ils écoutaient nos conseils là, je pense que cela n'avait pas arrivé. Je t'assure. Nous, on a souffert manger pinzin. On arrive à l'école, on mange bas. Aujourd'hui, la boson là même s'est améliorée. Kédekba là, c'est lourd comme ça, c'est 25. C'est lourd comme ça. Bien lourd. Quand tu as mangé pour 25, ça te fait jusqu'à midi. C'est dans ton ventre pour aller retrouver ton attiqué sans poisson. Mais aujourd'hui là, on vous a tout donné. Tu donnes 5 ans à ton enfant, mais il dit que c'est quoi ça là? Maman, c'est quoi ça là? Maman, c'est quoi ça? Ça peut payer quoi? Maman, ça c'est quoi ça là? Parce qu'on donne 2 500 à son ami au théo là-bas. Automatiquement, il te contredit. Automatiquement, il te dit que toi, tu es malade. Mais où allons-nous? Qu'est-ce qu'on va faire? Où on s'en va? Où le monde s'en va? Où on va? On n'a qu'à se diviser en 10 pour vous donner. Vous voulez quoi? On va parler de Altamira. On va parler de ceux qui prennent les enfants, qui les blaguent pour les manger dans le truc. Maintenant, les enfants qui chenouent à la maison, ils marchent leurs pieds. Eux-mêmes, ils commandent Yango. Eux, ils montent dedans pour aller retrouver une chose là. Résidence meublée là. Ce n'est pas le monsieur qui vient les attacher. Donc, nos enfants n'ont qu'à nous écouter un peu. Nos enfants n'ont qu'à nous écouter notre vote là. Plein là n'est pas encore fini. Quand on vous voit, vous êtes en train de grandir, on est heureux parce qu'on dit, hé, hey, demain si on vieillit là, nos enfants vont nous tourner à manger. Mais qu'est-ce que vous nous faites? Tu finis d'accoucher ton enfant qui doit t'enterrer, c'est toi qui enterres ton enfant. Ah, ayez pitié de nous aussi. Ayez pitié de nous aussi. Ayez pitié de nous aussi. Mais 9 mois là, ça fait mal. Ça fait tellement mal. Ils sont en train de signaler live là. Donc si vous ne tapotez pas là, ils sont en train de signaler le live. On vient de m'envoyer avec. Quand il y a mouvement, c'est vous les petites là qu'on appelle. Je ne parle pas pour moi. Je ne parle pas pour vous. Mais je ne parle pas pour d'autres personnes. Je parle pour mes petites soeurs. Quand je parle, mes petites soeurs, mes nièces, tout le monde est concerné. Parce qu'elles me suivent, elles entendent, elles regardent. Ben, vous êtes des grandes menteuses. Vous mentez beaucoup. Où elles sont là? Faites très attention à elles. Elles vont nous envoyer des surprises très désagréables comme ça, toujours. Parce qu'elles mentent beaucoup. Elles volent, elles mentent. Elles sentent, elles ne se lavent pas. Elles ne se lavent pas. Elles sont toutes en salaise, en galsu. Elles mentent beaucoup, vous les voyez là. Quand elles font sortir parole, elles sont en train de nettoyer parole là comme ça. Là. Tu as dit, ouais, elle a changé, elle ne va plus faire. Elle se joue les victimes. Non, moi, c'est comme ça. Ma maman, même. Ma maman, que tu vois là. Elle est bien, elle a beau comportement. Elle-même, son père voulait la faire partir en France. Mais tant qu'il ne veut pas partir en France, il n'est pas en France. Quand il veut la voir en France, elle est prête. Donc, elle est là. Elle fait ça, elle fume pas. Pourtant, c'est la camarade là. C'est elle qui attrape Gagui. Et puis, elle met fumé là dans sa bouche. C'est là que vous voyez là. Vous la connaissez mal. C'est des caméléons, vous voyez là. Elle, c'est des couteaux à double face. Nos nièces, nos petites soeurs, aujourd'hui là, c'est des couteaux à double face, c'est des dangereux, des poudriers identitaires que vous voyez. Elles mentent beaucoup, elles volent. Les numéros là, c'est dans WhatsApp de tous les gars. Elles sont dans Yango. Matin, midi, soir, dans Yango, elles sont couchées dans résidence. Allô? Il dit là où? S'il est prêt. Il est prêt. Mais s'il est en forme. Attends, mais c'est blessé, mais pas d'argent. Ma maman, mais elle est là. Ah, lui, il veut faire plein à 3 pins. Lui, il veut faire plein à 3 pins. Non, on va accepter ça. Hein. Ah, il est plein à 3. Ma maman, qu'elle est là. Elle est mazo, elle est jolie, elle, ma maman, là. T'as eu son cuit. Ah, bon. Chier plein à 3, 20 000. On ne peut pas, on ne peut pas.
Tiens toi aussi. Il est normé. Il a pardon, réfléchissez la Bible de la paix. Carrément, son ami m'a appelé, il a trois, puis pas de famille. Je ne sais pas. Ben, il faut te coucher, endormi. C'est elle. C'est les gens. C'est vous, c'est comme ça que vous faites. Vous n'allez pas arrêter où? C'est nous, on est meurtri, c'est nous, on a mal. Y'a, tu es où? Y'a, viens, ma maman m'a appelé. Mon, tu dis quoi même? Ça m'a entendu. Du coup, tu vas. Meli, tu vas où? Y'a, mon, oh, mon, y arrive son. Ma maman m'a appelé. Toujours, c'est eux qui m'a appelé. Ma maman m'a appelé. Ma maman, j'ai appelé. Allô, le gars, il est où ça? Ah, Sini. Tiens, il est prêt, ma maman, t'es dans le bonheur. Tiens! Non, il a dit. Mais ça a croisé un tonton là. Il a dit, le gars, il est prêt. Il est mal paré. Il a dit, ils ont lui faire vivre. Il a dit que, ils sont partis de dire que chambre l'a pris. Là. Chaud, les chambres. C'est-à-dire que, pour des chambres climatisées, c'est-à-dire que pour des chambres propres que vos parents n'ont pas construites. Des maisons. C'est-à-dire que maison, mon papa n'a pas construit, maman n'a pas construit. À cause de photos de là-bas. Il est allé vivre une sale vie. Voiture, il n'est pas payé mon argent à cause de vouloir avoir voiture. Ou bien rouler jolie mèche. À cause de ça, il est allé vendre ma vie. Vous êtes bête jusqu'à... Ça dit qu'il y a un degré. Au degré de bêteté. Elles sont bêtes en groupe. C'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui ai dit. Mais ça, là, ça n'a pas servi de leçon. On n'a rien à voir contre la petite. Ça ne va pas servir. Allez la même, hier, nuit la même, là. D'autres sont allés gérer encore dans résidence. Est-ce que vous allez arrêter? Il y a une qui est partie faire fétiche, elle est décédée. Là. Est-ce que ça a arrêté? Vous avez arrêté à faire des locanto? Vous n'avez pas arrêté locanto. On entend vos voix là-bas. Il n'y a pas une qui est intelligente pour dire à une. Elles sont bêtes en groupe, sales en groupe, voleuses en groupe. Qu'elles sont dans un quartier, c'est qu'elles ont déjà servi ce quartier-là. Elles laissent le quartier-là, elles vendent dans un autre quartier. Vous les voyez deux jours là, il y a couleur de mèche, couleur de cheveux sur la tête. C'est dans couleur, elles sont deux jours là. Si elle avait fait mèche rouge à Yopougon, cheveux rouges à Yopougon, elle vient vers document, vers engrais ici. Elle prend rouge bordeaux et met. Elles sont bêtes en association, bêtes en société. Et puis elles se suivent, c'est moi qui dis ça. Eh, boubou, matin, vous les voyez, petit boubou, chigom, petit bracelet de vertige là. Eh, où elles sont là, elles voient 10 personnes, 50 personnes. Moutons de la société, c'est eux. Elles voient 6 personnes, 50 personnes. D'ailleurs, elles ont toujours vertige. Elles fument des guis. D'ailleurs, elles sont obligées de mettre petit bracelet là. Il y a un bracelet, on met sur le bras des bébés à cause des vertiges. Elles mettent le bracelet là parce qu'elles ont tout le temps le vertige. Elles ont sinusite. Elles ont tout le temps des palpitations parce que pourquoi? Tout le monde va avec elles. Elles peuvent gérer busy de 4-5 personnes. Elles se jouent les intelligentes comme ça, c'est des menteuses. Elles vont dans les résidences, elles font comme si elles sont en train de vendre petits sacs. Quand elles ont gagné 100 000, elles sont payées sac 20 000. Elles viennent en place. Maintenant, machin, il y a même machin là. Allez, sortez, vends mes choses. Il n'y a pas le temps. Elles mentent. Elles mentent comme ça, c'est des super menteuses, des super nannies. D'autres même font comme si elles sont travaillées dans les coins de onglerie ou même de cheveux matin. Tu les vois dans le magasin, elles sont en train de discuter, elles sont en train de babader. Aucun respect pour le magasin de la dame. On ne vous connaît pas. C'est vos parents qui ne vous connaissent pas. Sinon, nous, on vous connaît. Nos petites soeurs, nos cousines, nos nièces, les enfants de nos amis, vous, on vous connaît. Nous, personnellement, on vous connaît. Elles vont travailler dans les magasins des gens, elles vont gérer les magasins, remarquer les biens. Elles sont très impolies là-bas. Une vie de merde. Quand elles parlent, tout le monde entend les voix. Elles ne baissent pas le ton. Elles sont dans les magasins, elles appellent Sakama, Sakama vient. Sakama ne va pas se donner une jambe pour dire que non, ma camarade est en train de gérer un magasin. C'est une société, elle est en train de gérer un travail. Elle arrive là, elle commence à crier, elle commence à appeler les gars. Elle va expliquer ce qu'elle a vécu hier, sa bêteté qu'elle a vécu hier dans une résidence. Elle vient pour l'expliquer. Elles sont bêtes en groupe. Il n'y a pas une qui a dit à une non. Ne va pas là. Ne sois pas là. Ne fais pas ceci. C'est vrai, les parents sont pauvres, mais ça, là, ça ne paye pas. Cherchons à fond des petits, faire des petites formations. Même si on est tombé sur un tonton là-bas, mais quelqu'un qui nous a donné l'argent là-bas. Prenons cet argent-là. Allons-y nous construire. Allons-y payer des petites formations. Allons chercher des petits diplômes. Allons apprendre une petite formation de coiffeuse quelque part. Un matin, on va faire notre petit conteneur. Vous êtes des jolies filles forcées. Il y aura Gaou Abidjan. Il y a des Gaou, même on prend eux, puis on prend, puis on s'installe. On se positionne avec. Vous n'avez pas encore vu ce côté-là. Vous n'avez pas encore eu la bonne compréhension.
Ça quoi les choses là? Ils ont fait un morceau là. Je vous ai dit ça depuis longtemps. J'ai dit, elle garde les photos de leurs camarades dans portable. Elle garde les vidéos de leurs camarades dans téléphone. Et puis maintenant, le son que les Toubabous ont fait là. Tu fais danser les anges, et l'autre là. Je pense à toi, n'est pas là. Pourquoi tu mets la vie? C'est un poulet, n'est pas ça. Je voulais au paradis. Ça, elles ont les téléphones, elles ont les portables, les vidéos de leurs camarades dans portable. Elles savent qu'à chaque moment ça a pété. Elles savent que à n'importe quelle minute ça a pété. Donc elles gardent. C'est moi qui vous dis, elles se connaissent. Elles savent, elles sont là, elles rient. On pense à toi, et je n'ai pas là, et je n'ai pourquoi, ou à la vie, je n'ai pas là, la douleur si là, je voulais la promener, je voulais la promener, et puis tu les vois maintenant, elles mettent derrière mes photos, on pense à toi, et pourquoi, et ma cama, ma CP bébé, elles aiment s'appeler comme ça, bébé, parce que où elles sont là, elles sont à Massoublé, vous les voyez là. Elles sont à Massoublé. C'est pas l'apéro, hein. Elles sont à Massoublé. Vous les voyez là. Elles sont plus chefs même que les enfants mères et féminins, on dit. Elles sont à Massoublé. Elles-mêmes là, elles se coupent. Elles prennent Godot, elles mettent dans le boda de leurs camarades. Et où elles sont là? C'est des espèces sexuelles, vous voyez là. Hein? Où elles sont là? C'est des chefs sexuels, vous voyez là. Elles filment Poupounampou. Elles n'ont pas peur. Elles filment Poupounampou. Elles filment. Chose folle. Elle finit de faire folle là maintenant. Elle mange petit cola. Petit cola, quand tu manges, on dit ça fait debout. Ça fait que cri-cri, la fête gigi. Elles aiment manger petit cola. Où elles sont là? Elles vont chez les femmes qui vont comprimer là. Elles sont payées médicaments qui fait que en bas là, ça n'a qu'à se. Elles veulent avoir gros Jessica. Où elles sont là? Les Jessica là, ça n'a qu'à être enflé. Les vieux là, dit que les gars là, dit que quand ton Jessica est enflé là, c'est ça ton nien là, c'est ça ton digital là. C'est ça, c'est bien. Donc, où elles sont là? Elles sont chez les femmes qui vendent médicaments là. Elles sont payées là-bas aussi. Il y a un médicament, elles sont payées là-bas. Et puis, quand elles boivent là, elles sont devant là, ça devient André. Le vieux, on a mis dans la farine. Est-ce que vous les connaissez? Elles sont celles-là, c'est l'échantillon qu'elle a là d'abord. Devant là, c'est en fou. Vous ne voyez pas devant là, comment ça est dans les collants quand vous voyez les vidéos là. Quand elles font comme ça, tu penses qu'elles vont créer quelque chose. C'est ça qui me dit, c'est lamentable. Parce que quand elles font ça, tu as dit qu'elles vont créer quelque chose, qu'elles vont faire quelque chose moins, qui va faire une évolution dans le pays. Rien. Elles vont rien créer. C'est un bavardage seulement. Maison, elles ne payent pas. Résidence, elles n'ont pas payé, qu'on n'a pas pris de résidence. Aller dans les vrais coins. Dès qu'elle sort là, le gars finit la moumée, elle a fini de gérer bise là. Elle est censée mettre choisir le coin le plus luxueux de là-bas. C'est pour ça moi je me bloque là. C'est pour ça moi je me bloque. Parce que pour dire, il y a ma beauté, il y a mon genre, et que ça là, je pourrais faire bon yamoré là. Mais donc quand il y a continuité de trucs là, je me bloque pour leur dire que là, on peut avoir tout ça là. Et puis se battre honnêtement. Vous les voyez? Abonnez-vous à ma nouvelle page là. Ne laissez pas, ça est là-bas. Elles vont mélanger ça là. Deux jours là, elles vont mélanger. Par exemple, si sur deux jours là, vont allumer, si elles vont gâter. Abonnez-vous à la page Madouce la star officielle. Allez monter en tas là-bas. Quand elles vont finir ici là, je suis là-bas encore. Je ne laisse pas. Parce que quand on les accouche comme ça, et puis ils font comme ça là, c'est nous, on meurt. Qui demande Wave? Et ils aiment demander Wave pour s'asseoir pour me regarder là. Je ne veux pas, hein? Wave. C'est vrai, vraiment bien, c'est Wave. C'est vrai, Wave. Ils demandent bien ça. Par exemple, l'autre fois, ils ont dit si Wave vient faire là, non, je n'ai rien vu. Wave 07 77 84 13 66. 07 77 84 13 66. C'est pour ça, moi-même, quand il me lève, il n'y a pas petit culotte, je me sens là, quand je lui me lève, montre-moi aussi, je fais ça. Elle voyait comment je me casse là.
Oui, elle fait mon amour pour toi. Plus fort. Tu as pensé qu'elle a 16 ans. Elle ne la laisse pas. Il est fait pour lui dire que non, vous êtes un amoureux de comment? Il est où? Même à l'aile. Il y a danger. Hein? Il y a danger à l'aile. D'autres même sont là, se préparer. Elles sont dans Yango. Elles s'en vont à Sini. Si vous parlez de quoi? Il y a danger actuellement là. Il y a danger. Depuis combien de temps même là? Sur live de Aya là-bas là. On est là. Ils sont en train de dénoncer les dangers. Les dangers de taux de crime, de choses, de Podakrou. Danger de ça et là. Mais elles sont toujours dans Yango. C'est Yango, c'est un secret pour eux. C'est à cause d'eux, ils ont fait la société de Yango là. Un peu seulement. Il n'y a pas Yango. Il n'y a pas Yango possible. Il y a beaucoup de Yango. Il y a pas mon Yango. Il faut commander à 10 ans. Tu commences à 10 ans dans la nation. Il faut commander à la localisation. Toujours on t'a parlé de localisation. Il faut commander à la localisation. Tu commences à la localisation. Attends, peut-être la conversation, ma camarade. Monsieur, il a dit qu'il a trouvé là-bas. Il dit qu'il arrive. S'il arrive, je dis que moi, il me narre. Moi, s'il n'arrête plus, il me met dans le truc. Il n'a pas dit que moi, il est en train d'avoir. Il m'a décalé un peu. Mais on s'est en train de causer comme ça, de quelque chose qui est bizarre. Moi, il m'a décalé un peu. Moi, il me dit qu'il a dit qu'il allait me décaler. Il n'a pas décalé. Il dit que non, moi, il n'est pas décalé. Il n'a rien pris. Il n'a pas fumé ce jour-là. Il n'a pas fumé. Il est arrivé là. Il est arrivé. Il dit qu'il n'a pas. Moi, il dit qu'il n'est pas décalé. Son ami est venu. Donc, il voulait qu'on fasse à 3. Moi, je dis à 3 comment? À trois comment? Et bien à trois, il dit non, l'autre qui sont pas en forme. Son ami, non, l'autre, c'est un gars. Comme le gars, il est pas en forme là. Donc, mais où elles sont assises, les jeunes, vous les voyez comme ça. Tous les amis des jeunes là, ils ont déjà ouvert les Bouddhakou. Elles-mêmes, elles sont à Massoulé. Mettez bon live. Ils sont là. Elles-mêmes, elles sont à Massoulé. Vous les voyez là. N'oubliez pas de liker la vidéo, de donner vos avis dans les commentaires, de partager la vidéo et de vous abonner pour ne rien rater dans les prochaines publications.